bien parce qu'il avait un œil sur vous et l'autre sur le papier. Je ne sais pas comment il faisait. Il était venu en région nous voir il y a quelques années à Télématin. Je vous propose de revoir ces images. Je ne sais pas si à l'époque vous étiez déjà là. Que tu vas entendre maintenant. Ah. C'est la chanson favorite de Cabu. Écoute bien. Charles Trenet. Tu connais les paroles en plus, non? Oh oui. Tu te souviens des paroles? Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, attends, on vend du l'eau. Dans ma rue, il y a deux boutiques. En playback. Dans l'une, on vend de l'eau. Dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique. Mais la seconde, on en revanche, où l'on vend du lait. Lait. C'est pour ça. C'est difficile le playback, hein? La montre du droit. Alors Cabu, oh, assiste. C'est le karaoké de. C'est le karaoké Télématin. Oui. Merci. Tu peux venir tous les jours et on un bon cadeau pour commencer la journée. Merci, Willy. Voilà, c'est déjà fini. C'est dommage. Bah ouais, je fais pas dire. Ça a été un peu court, mais ça c'est de la faute de la bande. Non, parce que sinon, ça aurait été plus. C'est un beau cadeau pour démarrer la journée. Voilà. Au revoir, Monsieur Cabu. Mais... ne changez surtout pas de pullover. Non, 30 non, ans plus tard, il vous va très bien. Je suis habillé par Véronique. Oui, c'est, oui. Oui, c'est Madame Véronique, toujours, la célèbre... Véronique Jacquard. Véronique à moi. Là, c'est sa Véronique, c'est sa Véronique à elle. Bon, merci beaucoup. Véronique, c'est sa femme. C'est effectivement elle qui choisissait les vêtements, le pullover et le default coat bleu marine. C'était quelqu'un, on avait testé ça avec lui, on le faisait rentrer dans une pièce, il y avait 5-6 personnes, on lui disait, bon, tu les regardes, on te donne 30 secondes, mais pas plus. Il y avait regardé, sors, refais-les-nous. Il refaisait les... c'est ça, 4-5 visages, à la ride près. C'était un talent incroyable. Merci beaucoup. Alors...